Eh bien, salut à tous les amis, c'est Raptor. Me voilà sur Car Parking. On voit mon petit pseudo au fond. C'est magnifique. Et ouais, je présente actuellement une petite Nissan Skyline GTR R30. Non, c'est R34 GTR. M'excuser, j'aime bien la petite phrase more than just parking. Balèze, balèze. Attendez, non, oui, là c'est des petits paramètres un petit peu bizarre. Ah, il n'y a pas, attendez, ah, voilà, ça c'est tous les personnages. Toc. Attendez. Ouais, voilà, on les voit tous. Nous avons des filles et pour mec. On voit très bien que le jeu est sexiste. Moi, je préfère celui-là. Il me ressemble pas du tout. Mais je l'aime bien. Car il fait plus sérieux que les autres. Et dans cette voiture-là, il faut pas être sérieux. S'il faut être un petit peu minimum sérieux. Bien sûr, c'est un jeu de parking où nous pouvons customiser tous nos véhicules, du style les prises d'air à l'avant. Je les ai mis. Ouais, j'ai mis sur cette voiture-là, j'ai mis que les prises d'air. Attention, il y a du beau véhicule. Il y a du véhicule. Alors, nous passons à la première voiture, mais customisée. J'avoue, ça fait un petit peu voiture Jackie. Ça fait un petit peu voiture Jackie. Et ce qui est marrant là-dedans. Voilà. Donc, ah, voici ma petite Jeep customisée, bien sûr. Ah. Ma voiture préférée du jeu. Qui est la voiture la plus rapide du jeu actuellement? J'arrive quand même à me faire dépasser par la première voiture. Super. En même temps, j'ai une voiture assez lourde et tout ça. Ok. D'accord. Rien à dire. Non, j'avais jamais remarqué ça. Par en haut. Au niveau de l'ouverture à air, on est à côté, pas loin du gros ventilo qu'on va tourner. Regardez les petites étincelles, j'avais jamais. Ah, c'est le câble électrique qui passe, qui fume un petit peu. Et voilà, je vais vous présenter ce véhicule hein, que j'ai customisé bien sûr par mes soins. La plupart que j'ai acheté à d'autres personnes, il y en a une que customisée, pas par moi, pour une fois. C'est le seul véhicule, le seul et unique véhicule que je n'ai pas customisé. Sinon, c'est une Koenigsegg Agera. Normalement, c'est une Agera, celle qu'on voit dans le. Celle qu'on achète, c'est une Koenigsegg Agera. Moi, je l'ai passée en XE. Je l'ai passée d'abord en R, puis en XE. Donc, tout va bien. Ouais. Toc. Je crois que vous l'avez vu. Oh, c'est un petit délire que je me suis tapé. Voici ce que personne n'aime actuellement. La pub. Ce qui est en pub. C'est dégueulasse. Pourquoi j'ai mis ce... Pourquoi j'ai mis ça sur le véhicule? Véhicule de base est beau. Surtout avec cette couleur. Oui, je sais, c'est moche. J'ai toujours pas réussi à le vendre. Je comprends pas. Allez. Il n'est pas customisé en plus, je crois. Je sais pas. Ah, ça c'est la petite voiture. Une autre voiture Jackie, non? Qui est moche.
Je l'aime pas. Je compte la vendre, mais personne ne l'aime. Bizarrement. Pourtant, je propose à mon petit prix. Hein. Bizarrement. Mon petit Hummer. Hummer ou MV, vous me dites en commentaire si c'est l'un ou l'autre. Customisé, bien sûr. Voici la petite, ma seule et unique Ferrari de mon garage. La Ferrari du garage que j'ai acheté customisée à un autre joueur. Les trois petits pots d'échappement. Oh, magnifique. Par contre, c'est bizarre. On voit les pieds de mon personnage. Croire que la voiture est trop basse. Voilà. Que j'avais changé de couleur. Voici le petit véhicule du FBI que j'ai mis en, que j'ai customisé un petit peu, un petit logo et tout ça. Un petit pseudo en guise de plaque d'immatriculation, un petit aileron, des prises d'air à l'avant sur le capot. Donc j'ai customisé. Voilà ma dernière acquisition. Lamborghini, petite Lambo. Voilà, petite Lambo, fort sympathique. Pourquoi celle-là? Il y en avait d'autres, il n'y aura qu'une. Car c'est là en fait, à un moment on va rouler avec et à un moment on va plus avoir, va pas avoir de cette vitesse. C'est pour ça que je l'ai amélioré. Que je l'ai acheté pour l'améliorer. Tac, et voilà. Oh punaise, celui-là c'est ma. L'une de mes dernières acquisitions aussi. Hein. Voilà, un petit Bentley. Pour essayer une Bentley. Ma petite Bentley. Donc, avec la petite tête de mort sur le capot. Tout va bien. Par contre, je n'avais jamais remarqué que c'était une décapotable. Qu'il n'y avait pas de toit. C'est un peu trop panoramique. Super stylé avec les petits scorpions. Qui, de base, je voulais faire penser à un autre véhicule. On verra sans doute, que vous verrez. Ok, mon petit camion, même mon camion est customisé. Allez, on passe la petite Peugeot, la famille, que je vais m'amuser à prendre quand je vais m'amuser à faire des RP, jeune conducteur, mais que je ne présenterai pas sur ma chaîne, que je ferai ça juste pour plaisir. C'est dommage, j'aimerais bien, mais j'ai pas une trop, j'ai une trop petite carte SD que j'ai pas envie d'acheter, que j'ai pas envie d'en racheter une autre. Et petite Mercedes AMG, la petite AMG que j'ai préparé hier en guise d'AMG. En fait, j'ai pas oublié, je sais pas, je vous ai pas expliqué. Pourquoi dans un garage comme ça, il me spawn? Mais ça c'est pour customiser, vu que j'avais un petit bug avant la préparation, pendant la préparation du début. En fait, ça, regardez bien sûr, il y a 6 piliers avec une voiture qui est en l'air sur les entrées deux du milieu. Et ça, on les retrouve un petit peu dans tous les garages. La plupart des gros garages. Voilà. Excusez-moi. Je suis un petit peu fatigué. Il est 22h50. Quand je tourne la vidéo, je sais, je les tourne tard. J'aime bien les tourner tard. Je suis tranquille. Personne dans les bottes. Pas de devoir à faire. Et oui, je suis encore. Je suis précisément au lycée. Ah non, j'ai pas encore le temps. Je suis pressé. Dans mon garage. Je vais dans le garage. Voilà. La petite BM. Fort sympathique. Raptor aussi. Hop là. Petite BM. Bon là. Oh, c'est une voiture Jackie. J'ai sorti la voiture Jackie. Celle-là, je l'ai pas encore sortie en online. Je peux me taper honte. Une petite BM que je me que préparer un petit peu drift
que j'ai préparé Drift, même si elle n'a pas l'air. Même si ça n'a pas l'air. Alors, ma petite dépanneuse. Hashtag accidentellement. Voilà. Toc. Oui, ça arrive. Une autre voiture, Jackie. Ah, on a un respawn ici. Ah, voici la petite, ma petite Porsche. Ah, vous, elle est bien. Elle est magnifique, la Porsche. J'ai remarqué que j'ai encore une amélioration là. Petite amélioration visuelle là. Punaise. J'aurais peut-être pas dû commencer à tourner celle-là. Vous allez m'entendre bailler un petit peu. Je crois que je vais rouler comme une merde. Alors, ma petite Porsche 911. J'étais trop intéressant. Autant passer par là. La petite Sirocco. Énormément au début. Donc, nous allons prendre. Cette fois, on va prendre laquelle? Tiens, pour customiser, je vais vous montrer. Tiens, voilà. Comme ça va me faire vous montrer. Voilà, déjà, nous avons 6 klaxons payants. C'est 3 euros, 4. Bah, c'est 4 euros. En bref, on peut. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut mettre. Comme autocollant. Quand c'est blanc, c'est qu'on peut changer la couleur. Ouais, je vais le retirer. Et là, on peut plus changer la couleur. Les petits pandas. Oula, là, on rentre dans les grosses customisations. En fait, je me suis dit, ça, normalement, c'est le plus gros. Hein. J'ai regardé encore un petit. Un autre, un petit peu plus gros. Et ça, c'est le gros. Et ben, j'ai mis celui-là. Ça, c'est l'avant d'origine. Il y avait un avant comme ça, un autre comme ça, et un autre un peu plus piste. J'ai mis celui-là. C'est l'arrière d'origine. Oui, c'est bien l'arrière d'origine. Après, il y avait ça, celui-là que j'ai mis, celui-là qui est beau aussi, et celui-là. Mais j'ai préféré mettre celui-là. Les bas de caisse d'origine. Ça, c'est les bas de caisse d'origine. On pouvait mettre. Celui-là que j'ai mis qui fait vraiment partout, ou celui-là qui est moche. J'ai mis celui-là vu qu'il me fait rappeler un peu plus la piste. Mon petit capot d'origine. Ah, par contre, sur ce, j'ai mis celui-là. J'aurais pu mettre éventuellement celui-là ou celui-là, mais j'ai mis celui-là. Tac. Voilà, on fait ça, on peut les enlever et en mettre d'autres. Ça, c'est sur le toit. Ah non, 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 je devais, je devais. Et voilà. Attendez, et si j'ai pas fini. Hein. Et on peut changer toutes les roues.
J'ai mis deux grandes roues hein, comme il y en a. Hop, voilà, il y a des petites, hein, des moches. C'était lesquelles? De base, j'avais mis celle-là. Et je me suis dit, il m'en faut des plus grandes. Oh putain, je les ai perdus. C'est celle-là. Attends. Ouais, j'ai récupéré celle que j'avais de base. Voilà. On peut faire les réglages boîte de vitesse. Ce sont de gravité. Hein. Regardez. Hein. Si vous voulez faire un petit peu de drague, voilà. Mais je préfère la laisser d'origine. Attendez, attendez. Hop. On va s'amuser un petit peu avec les suspensions. Hop. Attendez. Voilà. Voici qu'on pourra jouer avec les suspensions. Hop. Hop. On peut faire aussi l'écartement de ça, normalement, c'est la hauteur d'origine, mais je vais la rabaisser vu qu'elle était un peu plus piste. Elle faisait un petit peu plus effet piste. Un petit peu plus aspect piste. Voilà. Attendez, attendez. Et là, en fait, sur le côté droit de l'écran, ouais, droit de l'écran, ouais, on a la vigne que j'ai avant d'abîmer le moteur, et après, on a le couple ou torque, je sais pas si c'est pour l'accélération, on a le grip avant, le grip arrière. J'ai tout mis pareil. Hein. Vu que sinon, si ça aurait été une traction, une propulsion, selon la traction de la propulsion, on met plus des grips. Là, je l'ai mis en 4 roues motrices, donc je mets des grips, le même grip partout. Le code. Le CD, je sais pas trop ce que c'est, mais il a 0,31. Le driving wheel, c'est les 4 roues motrices, et selon les roues motrices, là j'ai mis en AWD, c'est 4 roues motrices, RWD, c'est. RWD, c'est. Merde, comment ça s'appelle? C'est propulsion. Et il n'y a pas le reste. Et l'autre, je ne sais plus. Là, je sais plus trop ce que c'est. Je me souviens plus. Je crois que c'est F ou TWD. FWD ou TWD. Break, c'est le frein. La puissance du frein. First time, je sais pas trop ce que c'est. C'est le 0 à 100, je pense. Ouais, c'est le 0 à 100. Le turbo, oui, il y en a. Et c'est un. Je vais vous dire ça tout de suite si c'est un biturbo. Biturbo.
C'est un biturbo de base, il n'y a pas de turbo. Je crois que c'est un. Il y a un seul turbo, je crois. Ouais. Et voilà. Et normalement, je vais vous montrer mon camion. Mon camion, mon petit camion, mon petit camion. Mon petit camion, mon petit camion. T'es au camion. Il est où le camion? Il est où? Il est là. Et voilà. Je vais vous montrer les stats du camion, hein, quand même. Un 4 roues motrices, il a des turbos. Je vais vous montrer combien il y en a. Et vous remarquez que, ouais, c'est un biturbo encore. J'aime bien mettre des biturbos. Le frein, voilà, vous l'avez vu, la 1500. En 4 roues motrices, grip. Le grip, je les ai tous pareils, ils sont tous pareils. Oui, j'en ai 1004 de vie. Et j'ai 2180. 2185 d'accélération. Ouais, ça va pour un camion. Ouais, pour un camion, ça y a de la patate. Hein. Moi, j'ai du mal à contrôler le camion. Je vais vous montrer les statistiques de la Koenigsegg. Alors, par contre, je sais pas où il est. Hein. Et, mais il s'amuse à sauter. J'ai des véhicules vivants. Ils sont en vie. Je vais quand même vous montrer les stats du véhicule là. Pour le premier véhicule custom, j'ai un seul de grip. D'accord. Il a pas de turbo. On va lui mettre un petit biturbo. Et voilà un petit biturbo. Et voilà en fait comment je customise mes véhicules. Toc, toc, et toc. Voici maintenant les stats. Là, voilà. En frein, il a 3000 de frein. Donc il freine plutôt bien. Et bien sûr, c'est en premier véhicule, donc voici un de mes petits 4x4, la petite Jeep que j'ai pas touché. J'ai rien touché côté suspension, côté moteur. Par contre, oui, j'ai touché. J'ai touché. Il y a du biturbo, je crois, des souvenirs biturbo. Ouais, biturbo. Voilà, j'ai tout fait. Attendez, juste toi, je te mets. Attendez, ah, il veut pas bouger. On enregistre en écran, il veut pas bouger. Voilà. Et là, je te mets. Et mais j'ai pas besoin de savoir. Ici, tiens, 23 000 déjà. Moi, je mets longtemps à parler. Ouais, voilà, et c'est tout. Voilà, nous allons conduire un tout petit peu. Je vais changer de voiture. Juste prendre une petite voiture. On va rouler en. Ah, tiens, un autre 4x4. On va rouler en 4x4. Un petit véhicule tout terrain. Un véhicule du FBI. Oui, il y a. Il y a des niveaux. Il y a plein de niveaux. Au total, il y en a 82. Je ne suis pas bloqué, mais c'est surtout que j'avance plus. Je n'ai plus le temps de faire les niveaux. C'est pour celui-là, la deuxième Lamborghini. Deuxième Lamborghini, que c'est pour ça que j'ai raté. C'est pour ça que j'ai acheté l'autre.
Il y a du simple, du seul, des deux seuls. Ou du online. Voilà, j'avais. Au cas où, j'ai fait 20, 22 courses. J'en ai gagné 13 sur 9. Le truc que je comprenais pas, c'est que je perdais avec une voiture plus puissante que l'autre. Je ne comprenais pas. Et voilà. Toc. On va en montagne. Ce que j'aime bien la montagne. Là, je récupère mon téléphone en main pour faire un petit peu de tout terrain. Non, on va juste faire les chargements sont plutôt longs. Je dors en attendant. Mais voilà. Toc. Nous. Regardez, on a une boîte de vitesse. Toc. Et voilà. Regardez, car service. Qu'est-ce que je disais? Ça vous rappelle pas un petit endroit? Le parc. Le garage qu'on a. Par contre, excusez-moi. Si ça bug, c'est pas de ma faute. Vu que je suis tout seul, normalement online je ferme toujours. Voilà, ça, là je vais dedans, ça c'est pour réparer ma voiture. Ça là j'arrive ici avec l'avant du véhicule. Il y a un bouton qui apparaît pour monter et descendre. Donc voilà, je l'ai vu. Attendez, attendez, je suis juste demi-tour. Oh, par contre, l'angle de braquage, hein. Et c'est pas là, et c'est pas la fête. Hein. Voilà. Toc, down. Ah. Regardez, il se baisse, il se baisse, il se baisse. On attend. Et au final, le véhicule va se lever. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Par contre, c'est pas la fête. Et pour presser, il faut pas être pressé si tu voulais prendre ça. Là, j'ai pas levé le cul, que c'est ça. Attendez, attendez, attendez. Oh, je suis pas droit, je suis pas droit, je suis pas droit. Je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Ne me dis pas. Hop là. Et voilà, on monte. Et voilà, admiré. Oh punaise. Et voilà. Oula, ça buguait. Il y a un certain endroit, je me suis amusé à faire un petit cache-cache. Et voilà, on redescend. Donc, attendez, attendez, en même temps on va regarder. C'était FWD pour la traction. Mon véhicule va partir dès que la roue arrière va toucher. Hop là, hop là. Ouh. À preuve que ça a de la patate. Hein. J'ai un véhicule qui a encore plus de patate que ça. Hop là, on va rouler un petit peu. Et aussi, on a les clignotants et tout ça. Pour faire vraiment RP. Pour essayer de faire un petit peu de RP, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais en faire. Mais pas sur cette chaîne, mais sur mode online. Et en mode online, je peux faire des vidéos que de 10 minutes bloquées. Regardez, on va faire un petit peu de. Un petit peu de franchissement avec mon petit SUV. Ouais, c'est un petit peu exagéré. Hop là, on freine. Bon, il est bloqué. Il est pas bloqué, mais je l'ai bloqué moi-même.
Voilà. Et au cas où, si vous êtes bloqué quelque part, vous appuyez sur le petit bouton. Sur le petit bouton route. Voilà. Par exemple, là, il y a des PNJ. Donc, les voitures blanches qui roulent, c'est des PNJ. Je vous le prouve. Oh, yes, ils font bien le tour. Oh boy, c'est qu'ils se font chier. Normalement, il y en a sur toute la map. Oui, c'est bien sûr dans la vie réelle, je vais pas faire ça. Hein. Hop là, et vu que j'ai pas encore le permis, c'est pour ça que je roule beaucoup dans les simulateurs. Et par exemple, là, regardez, on peut faire le plein d'essence, je n'en ai pas encore besoin. Mais si j'en ai besoin, oula, il va trop vite. Regardez, ça c'est un PNJ. Hop, on va regarder s'il y a PNJ carré. Ouh là, il y a deux PNJ. Voir si je peux. Y aller avant qu'ils arrivent. À roule. Voilà, un. Et deux PNJ. Deux PNJ, ils s'amusent à faire une course. Tout va bien. Donc nous avons les clignotants. Les phares. Plein phare. Regardez les clignotants. Regardez les clignotants en bas. C'est magnifique. Voilà, et là c'est pour faire une course de drague. Là, ça c'est pour vous normalement voir toutes les personnes qu'il y a en même temps pour notre argent. Et voici, toc, avoir de l'argent. Le bouton, là, je vous ai déjà dit, ce bouton là, c'est pour se mettre, pour rester droit sur la route. Regardez, miroir tournant. Regardez, admirez. Hop, hop. Je ne sais pas où aller. J'ai accroché mon véhicule. Je sais quoi, c'est le véhicule. Oh, je sais pas voir. Oui, je suis pauvre. Ouh là là, je vais faire cacher la gueule. Non, je rigole. Là. Et regardez, on a la boîte séquentielle. Regardez, j'appuie là. Aussi, au niveau du compteur. Hop, on va voir le maximum de vitesse. Top, et qu'on a la flemme de tout regarder. Hop. Toc. Voilà, on est venu en première. On peut se mettre en neutre, en marche arrière et en parking. On peut éteindre le moteur et regarder ce que ça fait, le petit message. Je peux pas accélérer tant que le moteur n'est pas allumé. On a le petit klaxon pour sortir du véhicule pour le fermer, déverrouiller, déverrouiller. On peut se mettre en passager. Moi je me mets en conducteur vu que j'ai pas d'autres personnes avec moi. Mais je vais essayer de faire une vidéo avec une autre personne que je vous trouver.
Et je vais faire, devoir faire un petit peu de montage. Alors, j'ai dit que je ne faisais pas de montage. Je suis à 35 minutes. Faut que j'arrête de poser. Ah bah là, je vais finir la vidéo. Il va être pas loin de 23h15. Ça passe. Temps de dormir. Faut que j'aille dormir. J'ai aussi le véhicule. Normalement, la plupart des véhicules sont plutôt bien faits. Hein. La plupart, hein, voilà. Oh. Normalement, on a les compteurs et tout qui fonctionnent. Du style sur la Porsche et tout ça. Fonctionne la Koenigsegg, ça fonctionne pas. Le camion. Ça fonctionne le fourgon, ça fonctionne pas. La dépanneuse, ça fonctionne pas. Sur ce véhicule-là, fonctionne pas. Donc il a quand même beaucoup de défauts, ce jeu-là. Ça c'est pour la conduite et tout ça. Moi je me mets avec le volant. Les kilomètres-heure ou les miles par heure. Kilomètres par heure ou miles par heure. Dark bouton. C'est quoi ça? Ah voilà, j'ai fait le mauvais bouton, c'est pas grave. De toute façon, je vais quitter. Là, je vais. Même pas fini de vous montrer. Voici la petite arrivée du véhicule. Ce qui est encore plus magnifique avec une voiture. Voilà, et voilà. Voici le bug que j'avais eu. Je fais ça pour prouver. Hein. Voilà. C'est genre un petit enregistrement d'écran. Voilà, ceci est un bug, admirez la voiture. Ils ont peur qu'on casse la voiture. On est droit. Et voilà, on est droit. On est droit. À l'envers. Et bon. Bon bah je vais vous le voilà. Et bah ciao ciao. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un bon gros pouce bleu et n'hésitez pas à mais